Hello guys, welcome to my channel. Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. We are going to start a video about GoPro. I have the two GoPro, the GoPro 8 and 9. I am going to show you the difference between these two GoPro. Donc dans cette vidéo, je vais vous parler des deux GoPro. Donc j'ai la 8 et la 9 et je vais vous montrer un peu, je vais filmer avec les deux, vous montrer quelles sont un peu les différences. I'm going to make movie with the two GoPro and I will show you the difference. So we have here the GoPro 8, the screen, here we have the box, and it's important because in the box we have some specification. Donc sur la boîte on a les indications, on va comparer sur les deux. So here we have the GoPro 9. It's a good one. Voilà. Here you have also a screen. Okay, we are going to compare these two GoPro. So the first things, it's you have for the GoPro 8 12 megapixel. Here you have for photos 20. You have the 4K 60, 1080, 5K, donc voilà, c'est quoi un peu mieux. Donc voilà, Hyper Smooth 2, Time Warp 2, Time Warp 3. Ok. The most important for me, it was this, the live streaming. It's same, I hope it was 4K, but no, it's 1080. Donc le live stream malheureusement c'était pas en 4K. So now we are going to make movie with the both. We are starting. Donc on va commencer d'abord avec le GoPro 8. Donc voilà, pour l'allumer ce sera la même chose pour les deux, on appuie là. Et voilà, donc là on va, donc vous voyez, c'est vraiment pas mal. Alors là l'écran devant il vous montre juste ce que vous êtes en train de faire, donc si c'est photo ou bien là, ben c'est prévu de filmer en 4K. Il vous montre la batterie et il vous montre la place sur la carte mémoire. Il vous montre ça également ici, donc 92%, et vous pouvez filmer avec la carte mémoire 2 heures dans cette qualité, donc en 4K. Donc voilà, je vais maintenant commencer à filmer. Je vais essayer de garder le même angle pour les deux films, comme ça vous voyez exactement ce qui a été filmé. Allez, let's go. Donc là nous sommes sur la GoPro 8. Je vais faire un petit tour. Et maintenant, je vais venir moi-même devant. Voilà. Donc voilà, ça c'était en 4K avec la GoPro 8. Donc maintenant, je vais vous montrer ce que ça donne le résultat. Donc là, nous sommes sur la GoPro 8. Je fais un petit tour. Et maintenant, je vais venir moi-même devant. Voilà. Donc voilà, ça c'était en 4K avec la GoPro 8. Donc maintenant, on est sur la GoPro 9. Donc vous voyez, on va l'allumer ben de la même manière. Voilà. Donc maintenant, il vous dit la même chose, on est en 4K 60. Et je vais également filmer et vous montrer un peu à quoi ça ressemble. L'avantage de la GoPro 9, pour moi, ce qui est un vrai plaisir, c'est qu'il y a l'écran qui... Vous voyez là, l'écran, il me montre. Donc c'est vraiment génial pour les personnes qui font des vlogs. Vous pouvez ben, de cette manière
vous regardez et c'est vraiment très très pratique. C'est vraiment génial. Donc voilà, maintenant je vais commencer à filmer et je vais vous montrer le résultat. Je vais essayer de garder le même angle et faire la même chose. Donc là, nous sommes sur la GoPro 9. Je vais faire le 360. So we are in the GoPro 9. And now, okay, perfect. I see my screen. Donc je peux voir mon visage. C'est vraiment pratique pour pouvoir mieux, lorsque je fais des vlogs, mieux me placer. So it's very good for if I make some vlogs, so I can see myself and it's better to know where is the camera. Donc là, nous sommes sur la GoPro 9. Je vais faire le 360. So we are in the GoPro 9. And now, okay, perfect. I see my screen. Donc je peux voir mon visage. C'est vraiment pratique pour pouvoir mieux, lorsque je fais des vlogs, mieux me placer. So it's very good for if I make some vlogs, so I can see myself and it's better to know where is the camera. Donc voilà, c'était un peu un petit aperçu des deux vidéos, des deux GoPro 8 et 9. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto vous a plu. Cette petite information. Moi, c'est vrai que la GoPro 8, elle est vraiment, vraiment superbe. La raison pour laquelle j'ai pris la GoPro 9, c'est vraiment à cause de cet écran. Donc vraiment, c'est super. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Hope you like this. I buy the GoPro 9 only because of the screen. I can make my movie alone and it's very helpful and useful for me. Hope you like this video. Make a comment, like, subscribe and see you soon for new video, new live. On se retrouve très bientôt pour notre vidéo live. Ciao, ciao les bâtons.